Aujourd'hui la Team Kito, on est sur la nouvelle mise à jour de Brookhaven RP. Et c'est déjà Pâques. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Bon, les amis, je suis sur la nouvelle mise à jour de Brookhaven RP. Et comme vous voyez derrière moi, c'est déjà Pâques sur Brookhaven. Et oui, en plus c'est une mise à jour vraiment incroyable cette année parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses. Et on ne dirait pas comme ça, mais il y a vraiment énormément de choses. Bon, on va commencer par la première des nouvelles choses, les amis. C'est tout simplement sur le poste de police. Comme je vous avais dit il y a quelques jours, il y a l'hélicoptère qui a été remplacé par un œuf de Pâques. Non, mais c'est génial, regardez-moi ça. Je suis en train de piloter, les amis. Je vais aller piloter un œuf de Pâques sur Brookhaven, regardez. C'est un truc de dingue, franchement. C'est une de mes périodes préférées sur Brookhaven, Pâques, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Vous allez voir dans cette vidéo, c'est vraiment incroyable. Déjà, moi, j'adore mon petit œuf de Pâques. Je sais pas vous, mais franchement... Il devrait laisser ça toute l'année au lieu d'hélicoptère. Bon, franchement, cette mise à jour, elle est vraiment incroyable. Je sais que vous attendez tous la recherche des œufs et on va descendre. Je vais vous montrer les nouveautés cette année par rapport à tout ça parce que c'est vraiment hallucinant tout ce qu'il y a de nouveau. Hop là, donc là, je me suis posé avec mon petit œuf. Et les amis, il y a des nouveaux véhicules de Pâques. Vraiment, cette année, c'est assez spécial parce qu'il y a un nouveau truc. Je vous expliquerai juste après. Donc pour commencer, on va aller dans le bouton directement en véhicule. On va pouvoir voir plein de nouveaux véhicules de Pâques. Donc déjà, il y a ce véhicule-là, le lapin. Et il y a d'autres véhicules cette année vraiment super beaux. Enfin, même le lapin, il n'était pas l'année dernière. C'est vraiment des nouveaux véhicules de Pâques. Et franchement, j'adore ces nouveaux véhicules. On va vraiment tous les débloquer cette année. Ça va vraiment être incroyable. Et il y a même un nouveau véhicule vraiment très spécial. Et je vous montrerai comment le débloquer juste après. Bon, du coup, regardez, cette année, les amis, c'est ici la recherche des œufs de 2024 de Brookhaven. Et il y a un petit bouton juste à côté avec marqué The Hunt. Et The Hunt, les amis, c'est quelque chose vraiment de très spécial cette année sur Roblox. Parce que oui, Roblox organise un événement de Pâques sur plein de jeux. Sur Brookhaven, sur Life Together et sur plein d'autres jeux. Franchement... Je crois même qu'il y a Metro Live d'ailleurs, je suis pas sûr, faudrait que je regarde tout ça, mais il y a vraiment beaucoup de jeux qui y participent, et ça s'appelle tout simplement The Hunt, et c'est une recherche d'œufs sur plein de jeux, et notamment sur Brookhaven, donc les amis, franchement, ça va vraiment être incroyable. Bon, on va commencer déjà par la recherche des œufs de Brookhaven en facile, donc c'est vraiment le plus facile, c'est parti, on y va les amis, et c'est parti pour la recherche des œufs en facile. Donc les amis, il y a 10 œufs à trouver, et cette année, regardez les œufs à quoi ils ressemblent à ça. Donc ils sont vraiment assez colorés tous, c'est vraiment cool. Donc regardez, le premier, on le récupère et on est déjà à 1 sur 10. On va continuer avec le deuxième œuf par ici. Donc franchement, c'est beaucoup trop simple. Franchement les amis, regardez-moi ça, hop là. Donc c'est parti, on récupère encore le troisième, le quatrième. Voilà, mais c'est beaucoup trop facile les amis. Franchement, c'est beaucoup trop facile là. Facile, franchement, c'est trop facile en fait, tout simplement. On est déjà à 6, regardez, ils sont tous autour de la fontaine. C'est beaucoup trop simple. 7, 8, le 9e. Et il est où le 10e? Bah, le 10e, je l'ai pas vu ou... Attendez les amis, il doit forcément être dans le coin. Je vais le trouver, peut-être qu'il est derrière ici. Non, même pas. Oh, regardez, il est là. Fallait vraiment le voir. Et je suis à 10 sur 10, et je viens de débloquer le véhicule des lapins. Enfin, du lapin. On va l'essayer tout de suite, les amis. C'est parti, on va essayer du coup le premier véhicule de la recherche des œufs de Brookhaven 2024. Et c'est parti, donc c'est le lapin qui est juste ici, et on va le mettre. Waouh, il est vraiment super beau, les amis. Oh, regardez, les amis, c'est un vrai petit lapin. Attendez, je vais essayer de le piloter, et on va voir comment ça se conduit. Non, mais franchement, il est beaucoup trop cool. Oh, regardez, franchement, j'ai l'impression de vraiment être dans un lapin. Alors j'imagine qu'on peut aussi changer la couleur, donc là un petit lapin blanc, et là un petit lapin rouge par exemple, franchement c'est beaucoup trop cool, un lapin orange, c'est trop cool. Hop là, et les amis, je peux même mettre du coup la vitesse au maximum, on va mettre même les turbos, on va voir si ça marche les turbos avec un véhicule d'événement comme ça les amis. Ouais, c'est incroyable, ça marche vraiment. Ah là, il est vraiment trop cool ce véhicule de lapin, les amis. Oh, c'est incroyable. Bon, alors, les amis, on va continuer. Waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Les amis, je vais vous parler ensuite de quelque chose de super important cette année. Comme vous l'avez vu, on va aller voir justement The Hunt, voir ce que c'est, les amis. On va s'arrêter juste... Waouh, faut faire vraiment attention. On va s'arrêter juste là, les amis. Et regardez juste ici, c'est parti. Donc, il y a marqué Roblox Egg Hunt. Donc, c'est marqué en anglais, c'est marqué... Pour terminer la recherche des œufs de Roblox, vous avez besoin de trouver et de collecter 20 œufs de Roblox et tous les œufs sont à l'intérieur du cercle rouge, de la bordure rouge et pas dans les bâtiments. Bonne chance.
Donc les amis, ça veut dire qu'il y aura un cercle rouge qui apparaîtra, donc on va essayer. Roblox Egg Hunt, c'est parti. Ah oui, d'accord, ok, donc on est vraiment dans des bordures rouges. Donc ça veut dire que si je sors de cette barrière, je pourrais peut-être pas sortir. Alors attendez, on va essayer de voir ce que c'est. Et regardez, il y a déjà des œufs de Roblox ici. Oh, il y a des œufs de Roblox de partout les amis. Franchement, ils sont super gros. Franchement, bah les amis, c'est vraiment immense. Et ah bah je peux quand même sortir. C'est juste qu'ils me donnent la limite pour trouver les œufs de Roblox. Donc regardez, c'est vraiment des œufs spéciaux. Avec les œufs, avec le logo de Roblox. J'ai vraiment pas envie de les ramasser tous parce que je suis sûr qu'on pourrait en faire une vidéo entière avec The Hunt. Et franchement, ce serait beaucoup plus intéressant de faire ça dans une autre vidéo parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et franchement, les amis, c'est la première fois qu'il y a ça sur Roblox. Donc, on va enlever la recherche des œufs juste ici et on la fera plus tard, les amis, sur une vidéo vraiment spéciale où je vous expliquerai comment tout The Hunt fonctionne. Parce que, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre avec The Hunt cette année. Et franchement, vous allez vraiment adorer, j'en suis sûr à 100%. Bon, on va continuer du coup avec la recherche des œufs en hard cette fois. Non, pas en hard, en medium quand même. On est fort, mais tout ça, ce sera pour une autre vidéo, le hard et le extrême. Donc c'est parti, en medium. Et du coup, je dois trouver maintenant 15 œufs de pack, les amis. Ça va vraiment être compliqué à trouver. Bon, allez, c'est parti. Du coup, le premier, il est juste ici. Et on a déjà trouvé le premier. Alors, avant de continuer, c'est marqué quand même qu'en facile et en medium, tous les œufs sont dans la ville et pas dans les bâtiments. Donc franchement, ça va être franchement super simple à y trouver. Regardez, j'ai déjà trouvé le deuxième qui est là. Et hop, on a déjà le deuxième. Franchement, les amis, j'adore cette mise à jour. Regardez, j'en vois un là-bas au bout. On va le récupérer à côté de l'école. Il y a un petit œuf. Oh, bah regardez, avant d'aller récupérer l'autre, il y en a un ici. Donc on est déjà au troisième. Maintenant, le quatrième, je l'ai directement en face de moi. Beaucoup trop facile, les amis. Oh, regardez, il y en a encore un là-bas. Je l'avais pas vu, mais les amis, je passe à côté de plein d'œufs depuis tout à l'heure. Donc hop là, cinquième, c'est trop simple les amis. Donc c'est pas à l'intérieur des bâtiments, c'est tout à l'extérieur pour celui-là parce que c'est le médium. Et le médium, ben, c'est assez simple encore. Regardez, il y en a encore un ici, trop facile. On enchaîne encore les amis, je suis sûr que je vais en trouver. Donc c'est à l'intérieur de la ville, donc ça doit être dans le coin encore. Bah regardez, il y en a un ici, on est déjà à 7. J'en vois un là-bas au bout, là juste à côté du panneau Brook Diner. Donc là, on est déjà à 8, les amis. Il y en a même un en face du centre commercial de Brookhaven. Donc c'est parti, on est à 9. Franchement, pour le moment, c'est trop simple. Regardez, à côté de l'épicerie, on a encore un ici. Franchement, les amis, on est déjà à 10. Allez, hop, il y en a un ici aussi. On est à 11, les amis. Franchement, c'est trop simple pour le moment. Mais après, ça va vraiment se compliquer. Vous connaissez le mode extrême. Vous savez, le mode extrême, il va vraiment être pas facile du tout. Vous allez voir, de toute façon, on va faire une vidéo spéciale sur l'extrême et sur le hard. Bon, on est déjà au 12e œuf, les amis. Et boum, le 12e. Bon, maintenant, il en reste plus que 3. Franchement, ça va être trop simple. Regardez, il y en a un ici. Les amis, plus que 2. Et je vais trouver, bah regardez, il y en a un en face de l'hôpital, juste là. Et il en manquera plus qu'un après celui-ci. On est à 14. Et le 15e. Où est-ce qu'il pourrait être le 15e? Est-ce qu'il serait pas derrière l'hôpital par ici, peut-être? Ou avant? Peut-être que je l'ai raté, les amis. Je pense l'avoir raté. Bon, on va retourner un petit peu en arrière. Et j'ai dû le rater dans la ville. Je ne sais pas où il est passé. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il n'y a plus du tout la caméra libre. Vous savez, quand on appuie sur Shift et P sur ordinateur, normalement, on a la caméra libre. Et bah là, on ne l'a pas du tout. Donc, on ne peut pas du tout tricher pour la recherche des œufs de Pâques. Sinon, ce serait beaucoup trop simple, surtout pour le mode extrême. Bon, franchement, j'ai dû passer à côté parce que là, franchement, je ne le trouve pas du tout le dernier œuf. Attends, des amis. J'ai dû forcément passer devant. Je suis sûr que je suis passé devant et qu'il y a quelqu'un en commentaire qui va me dire « Eh, mais t'es passé devant 15 fois, t'es passé devant 15 fois !» Et moi, ça fait 15 fois que je fais le tour de la ville de Brookhaven et je trouve pas le dernier œuf. Non, mais franchement, c'est grave la honte. Vous savez quoi? Mon petit véhicule de lapin, il va m'aider à trouver le dernier. Les amis, j'ai vraiment confiance en mon véhicule de lapin parce que c'est le meilleur véhicule là, franchement. C'est ça parce que j'ai pas débloqué les autres, mais sinon... Le meilleur, ça doit être l'extrême quand même. Oh, regardez les amis, il est juste ici. Bah franchement, les amis, il fallait vraiment le voir parce que là, il était caché dans l'ombre derrière le métro comme ça. Et hop là, le 15e. J'ai débloqué le véhicule vert, les amis. C'est parti, on va l'essayer tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir. S'il faut, il va être mieux que le lapin. Donc c'est parti, les amis, on va l'essayer. Donc pour ça, je retourne dans véhicule et il est juste ici. C'est le véhicule... Waouh, il est vraiment trop bizarre, les amis. On dirait même pas un véhicule de Pâques. En fait, si, c'est un œuf. On reconnaît que c'est un œuf. Mais franchement, il est trop bizarre. Il y a même un aileron et tout. C'est trop bizarre comme véhicule. D'ailleurs, il fait pas de bruit ou je rêve? J'essaye de mettre vraiment le son au maximum. Et j'ai l'impression qu'il fait pas de bruit. Est-ce que c'est un véhicule à essence? On va voir si on peut mettre de l'essence ou c'est un véhicule électrique, les amis. On va essayer ça tout de suite. C'est super intéressant de savoir. S'il faut, c'est un véhicule électrique. Et bah, regardez.
On peut pas du tout mettre de l'essence, donc ça doit être un véhicule électrique. On va essayer de le brancher à une borne, les amis. Franchement, regardez, c'est le futur. On est avec des véhicules électriques pour Pâques. Non, mais franchement, c'est un truc de dingue, les amis. C'est parti. Donc là, ici, je vais le mettre en charge ici. Hop là. Donc, on va le mettre ici. Et est-ce que c'est un véhicule électrique, du coup? Hop là, j'appuie. Et oui, c'est bien un véhicule électrique, les amis. Attendez, je vais bien le mettre en charge comme ceci. Boum. Et c'est un véhicule électrique. Non, mais c'est dingue. Et pourquoi ça reste pas en charge? Trop bizarre. Bon, en tout cas, c'est bien un véhicule électrique. Bon, on va changer la couleur. On va l'essayer, bien sûr, en orange. Mais j'ai demandé du orange, les amis. Regardez, c'est une couleur un peu métallisée. Mais c'est grave cool. Vous avez déjà vu une couleur comme ça, assez métallisée? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment super canon. Donc moi, je veux du orange. Il faudrait que j'aille plus vers du rouge, peut-être. Mais comment je fais pour avoir du orange, moi? Attendez, là, on est d'accord que j'appuie sur du orange depuis tout à l'heure. Là, c'est du orange. Ça sort marron. C'est trop bizarre. Regardez, quand je mets en noir le véhicule, ça réfléchit en fait le ciel. C'est-à-dire que si le ciel, il est orange... Attendez, je vais essayer un truc, vraiment. J'ai l'impression de découvrir des secrets en direct. C'est beaucoup trop cool. Donc, les amis, vu que je suis administrateur du serveur, je peux aller directement dans le panneau du serveur, juste ici, contrôle de serveur privé. Et si je mets, par exemple, le ciel orange, est-ce que mon véhicule, il va être orange? Incroyable. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment, les amis. Voilà, en fait, il réfléchit vraiment le ciel. C'est incroyable. Donc, par exemple, si je vais mettre les ténèbres, on va essayer de mettre, du coup, obscurité. Non, ça marche pas. Donc, par exemple, on va mettre, du coup, le brouillard. Oh, mais c'est incroyable! C'est vraiment bien fait, les amis. La pluie. Oh là là, on va voir avec la pluie quelle couleur il apparaît. Bah ouais, il fait comme le ciel, quoi. Et le ciel vert, les amis. Bah, le véhicule, il va être vert ou pas? Oh, c'est incroyable, les amis! Incroyable. Franchement, je pensais pas découvrir un secret comme ça. D'ailleurs, le véhicule, on dirait un truc d'alien, maintenant. Tellement ça fait peur. Bon. En tout cas, les amis, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour The Hunt, parce que oui, on va la faire forcément, et une vidéo aussi pour la recherche des œufs en hard et en extrême. Franchement, j'attends vos réponses en commentaire et notez sur 10 cette mise à jour, parce que franchement, moi, j'adore cette mise à jour de Pâques, j'adore les mises à jour où on recherche des choses, c'est beaucoup trop cool. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos.